صحيح هذا الكلام، ما بقاش النزاع والخلاف في واحد الوقت، لأن الكبار من هنا ومن هنا اتفقوا. ولهذا كنقول للسيد الوزير، السيد الوزير خلي عليك الأمور اللي واعرة وصعيبة، سير دابا دير النظام والانضباط، راه الناس باغين، راه غادي تشعل النار، وهذاك الشيء اللي كيقدروه هو الرئيس ديال الحكومة. داك الشيء علاش جلالة الملك النهار اللي جاي اختار رئيس الحكومة ما اختارش من المختار، اختار عبد الله بن كيران. ولهذا راه صيفط له رسالة كنقول له هذيك القضية ديال التعريب ديال الفرنسة ديال ديك السنة خليها علينا الله يخليك دابا وخرها تنعاود نفكروا في داك. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction de Mouhim. Alors vous l'avez vu, la grinta de Si Abdelhadi Ben Kerem s'est retournée contre lui. Voyez, Sahihoun Hadal Kalam, le roi a tranché, Belmokhtar a triomphé. Toutes nos félicitations au ministre de l'Éducation pour sa pugnacité, son humanité. Et pour fêter ça, j'ai envie de dire au chef du gouvernement, en reprenant ses propres mots, assez de loisirs. خلي عليك هاد الامور اللي واعره وصعيبه، سير دابا دير النظام والانضباط، راه الناس باغيين، فهمتيني ولا لا؟ ها كوميم. والمهم سي بارتي بور لانفو. Au programme cette semaine, nous irons dans les provinces du sud faire un point actualité avec les ennemis du Maroc, notamment l'Algérie. Et puis nous chercherons aussi à savoir à quoi ressembleront nos bacheliers dans à peu près 10 ans, Inch'Allah Marrahim. Et puis quant au Maroc, il est sur le point d'engager un top modèle pour prendre la tête des Lions de l'Atlas, une première. Et pour la Saint-Valentin 2016, un imam saoudien nous invitera à un repas exceptionnel. On vous souhaitera bon appétit en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie autonome en ce jeudi 11 février 2016. Il est 18h10, bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec les ennemis du Maroc. Et pour cause, le roi Mohamed VI s'était en tournée d'une semaine dans les provinces du Sud, acte 2. Alors, je dis ça aux amis algériens qui nous regardent, au cas où ils ne seraient pas au courant. Et les Sahraouis ont réservé au monarque un accueil sans précédent, une symbolique forte d'unité nationale. Alors, à tous ceux qui doutaient de notre intégrité territoriale, autant le dire tout de suite, the die is cast, la messe est dite. Sans parler des 77 milliards de dirhams de projets d'investissement lancés dans la région, etchi sans pétrole ni gaz, juste avec la baraka de Zirbi. Hein. Alors, résultat, Maroc 2, Algérie KO. Non, parce que si on venait à comparer, soyons fous et borderline. Qu'a fait l'élite algérienne au pouvoir quand elle avait plus de 200 milliards de dollars de réserves de change sur ses comptes en banque, notamment à l'étranger? Les magasins avenue des Champs-Élysées, eh oui. Alors, en ces temps difficiles et en solidarité avec le peuple algérien frère, toujours bloqué mskin dans les années 90, avec un baril de pétrole qui se négocie maintenant à 30 dollars l'unité, un seul hashtag possible en soutien aux voisins de l'Est, je suis Algérie. Mais président, mais président, quand on dit « je suis Algérie », hashtag, ça ne veut pas dire « je suis un ennemi du Maroc », mais plutôt « je suis solidaire avec un peuple frère bafoué dans sa dignité à cause d'un pouvoir usé, corrompu, incapable d'investir un copec volé à la jeunesse de son pays ». Voilà ce que ça veut dire, présidence. Hein ? On est donc, ceci étant clarifié pour faire valoir ce que de droit, bonne fin de journal. À vous, Saadat Raïs. Bien, présidence, quand même. Bien, présidence. Suite de cette édition, mesdames, messieurs, avec la réforme du système éducatif local. Alors, permettez-moi de poser cette question à Sibin Keren en le regardant droit dans sa barbe. Elle est où la caméra? Ah, elle est là. Alors, Sibin Keren, vous qui parlez si bien français, pourquoi s'en prendre en pleine séance parlementaire tel un maître SM adorateur des coups de fouet à un ministre réformateur qui veut élever le niveau d'instruction de ce pays? Par peur de perdre vos électeurs, Narfa Sharikounou, Karin Weyin,
ou là pour entretenir votre nouvelle position d'élite inaccessible? Et je pose la question, hein. Évidemment, un droit de réponse de votre part sera bienvenu et même extrêmement apprécié au sein de cette rédaction, quand vous voulez. Alors, dans un futur proche, Inch'Allah Rahman Rahim, les bacheliers marocains passeront certaines de leurs épreuves en langue française. Les perles du bac du futur, c'est la fiction de la semaine concoctée par l'équipe de la rédaction. Première question, quand a eu lieu la première révolution française? La révolution française? Oui. Mais ça va pas ou quoi? Ici on est au Maroc, c'est la révolution du roi et du peuple. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Allah, Al-Watan, Al-Malik, ça peut être une bonne réponse. Oui. C'est bon, tu as pu fumer un petit joint avant de venir passer l'examen? Bien sûr. Hein. Les lunettes, tu arrives à me regarder, je sais pas ce qu'ils ont les Marocains, porter des lunettes en plein examen. C'est bon, on peut y aller? Alors, mon cher Abderrazak, conjuguez-moi, s'il vous plaît, le verbe « travailler » au futur antérieur. Le verbe « travailler ». Oui, le verbe « travailler ». Pas « travailler » ici. Pas « travailler », ça ne se conjugue pas, le verbe « travailler », ni au passé, ni au futur. Hein. C'est une réponse qui se tient. C'est très quoi? 2 sur 20, ça te va? Ah oui, ça te va. D'accord, tu peux y aller. Ok, merci. Tu peux y aller. Alors, mon cher Guantanamo, c'est bien passé? Pas mal, ouais. Ça va, c'était bien. On ne t'a pas trop électrocuté? Bah, c'est bon. Tu as tout ton cerveau, on peut y aller? Ouais. Génial. Alors, qui a inventé la formule E égale à MC2 et surtout, qui en est l'auteur? Tu peux prendre le temps de réfléchir. J'ai une bonne réponse. Tu as une bonne réponse. Ouais. Déjà, tu parles bien français, je te félicite. Attends. Tu as des antécédents. Ouais. C'est génial. Oh, welcome to. Mais écoutez, c'est une excellente réponse. On va mettre ça dans votre dossier. Merci, mon cher Mohamed. Je suis très heureux. Bedouzeki n'est plus l'entraîneur des Lions de l'Atlas. Il a été limogé après une 5e défaite en 16 matchs en novembre dernier. Du coup, la fédération marocaine a tranché. Fissa billah. Mais la bonne nouvelle, c'est que Hervé Renard va probablement reprendre sa place. Alors, qui est Hervé Renard, le futur torsionnaire des Lions de l'Atlas? Réponse en images. Oh, Renard is going absolutely berserk. Ça donne un petit peu plus d'écho, au moins ça réjouit le public parce qu'ils peuvent entendre quelques bêtises et ils peuvent voir un fou dans la tribune. Ah non, on attend avec impatience, même avec tachycardie, de savoir combien ça va coûter aux contribuables cette histoire. Déjà, avoir un mannequin sélectionneur de l'équipe nationale, ça risque de nous coûter bonbons. Mais si en plus c'est un double champion d'Afrique en titre, ah non, on va en avoir au moins pour un petit milliard de dirhams, voire deux. Va falloir penser à faire des économies, la fédération. Allez, quand même. Demandez certainement ce que je fais habiller en tenue d'imam schizophrénique en cette fin de journal. Eh bien, je vais vous le dire, je consomme un délicieux repas après avoir crevé la dalle pendant 5 jours. J'avais faim. Ma femme, ou plutôt ce qu'il en reste, a refusé de m'alimenter parce qu'elle trouvait que j'étais trop violent et intransigeant. Elle ne sait pas lire, donc elle ne peut pas être au courant des nombreuses fatwas légalisant le tabassage de femmes désobéissantes. Et ce qu'elle ne savait pas aussi, c'est que le grand moufti de l'Arabie Saoudite, Allah yadhkuro bikhair, Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah el-Cheikh, a lancé la fatwa révolutionnaire. Et c'est pas une blague. Cette fatwa permet à l'homme, je cite, de se nourrir d'une partie ou de tout le corps de sa femme au cas où elle aurait été saisie par une faim extrême qui lui ferait craindre pour sa santé. Du coup, pour la Saint-Valentin, j'ai dit à ma femme, « Chouf, habiba, wach ghayadik Allah, wach jdna chi haja ma nakoulou pour fêter de l'amour éternel li binatna, enfin de la Saint-Valentin, ou lala ?» Résultat. C'est l'un des meilleurs repas de ma vie. Allah rahmouk, miskina, Allah rahmouk, Allah rahmouk. Qu'est-ce qu'elle était bonne. Voilà.
Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à l'heure du digestif. Bon appétit si vous êtes à table. Continuez à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Ah, Hubert m'attend, je dois y aller. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine. Ah, j'imagine, pour un nouveau numéro, Anshial 470 de le Mohim de l'info.